Je voulais qu'il y ait, en fait, il y a un sentiment sur chacune. Le cheval joueur, le cheval guerrier. Que ce ne soit pas des chevaux qui soient, dans une, comme souvent représentés dans l'histoire de l'art, des chevaux très braves. Ils sont plutôt là, couchés, ils sont un peu effrayés, ils penchent la tête, ils viennent vers le public. C'est plutôt des chevaux qui sont qui descendent de socle et qui ne sont pas dans un rapport de pouvoir ou d'objet qui mettent en valeur un guerrier ou un général. Ils sont eux le sujet, ils viennent vers le public. Jean-Marie Apriou is a talented young French sculptor, and The Horses is his public art debut in New York City. These are three large-scale sculptures positioned almost as surreal sentinels at the entrance to Central Park. He's carving directly by hand in clay and foam models, and then translating that in an almost alchemical process into cast aluminum. Jean-Marie was partly inspired by the forms of the horses that take people through the park in carriages, as well as Augustus St. Gaudens' William Tecumseh Sherman statue from 1902 near the entrance to the park. Traditionally, in civic public sculpture, an equestrian statue is high up on a pedestal and has an important figure gesturing to us with a civic authority that is quite removed and quite distant. And Jean-Marie's pieces are exactly the opposite of this. They're extremely imaginative and inviting. They encourage us to walk through them and under them and around them in a way where he's shifting our perspective and our relationship to civic public art. Il y avait une figure qui doit être visible de loin, qui doit interpeller, qui amène le spectateur à aller vers. Et puis il y a tout un travail du détail. Quand on regarde, quand on s'approche, on voit vraiment les traces des doigts dans la terre. Je voulais que la bouche, les oreilles, les yeux soient à hauteur du spectateur, qu'ils puissent vraiment interagir et se voir comme un miroir, qu'ils puissent toucher, qu'ils puissent monter dessus. Le cheval qui est le joueur, il est comme un sphinx couché. Et c'était important pour moi que les gens puissent évidemment monter dessus, interagir avec. C'est aussi un endroit qui est tellement de vie et de mouvement que c'est évidemment pour moi aussi une expérience nouvelle.